Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nail art un petit peu particulier, inspiré du bois, mais un bois abstrait, stylisé on va dire. Donc j'ai commencé par poser ma base, un vernis marron opaque et un vernis marron un petit peu plus transparent mais mat. Puis je vais utiliser ma plume et mon encre de la marque Just Nail. Je vais tout de suite commencer par le premier motif, donc par le hibou, mais encore une fois c'est un hibou assez abstrait, assez stylisé lui aussi. Donc je commence avec ma plume et l'encre par faire deux ronds pour les yeux. Vous pouvez évidemment utiliser de la peinture acrylique si vous préférez et un pinceau. Moi c'est juste pour tester ma plume que je viens de recevoir. Et ensuite je vais faire le petit bec, donc entre les deux yeux je fais un petit triangle. Puis je vais ajouter un petit trait au milieu de mon triangle. Ensuite je vais fermer un petit peu la tête de mon hibou on va dire, donc j'ajoute un petit trait au-dessus des yeux, puis je vais ajouter le motif abstrait, le motif bois, mais je vous passe ça très en accéléré parce que je vais vous montrer ça sur un deuxième angle un petit peu plus en détail. Donc voilà le motif abstrait, le motif bois. Je commence par faire une première courbe, une première ligne, puis je vais en ajouter quelques-unes comme ça, mais il ne faut pas toujours faire la même courbe, il faut faire quelque chose quand même d'assez irrégulier, de pas toujours identique à intervalles réguliers, vraiment il faut faire quelque chose de très aléatoire. Et ensuite je vais ajouter un motif qui va représenter un petit peu les nœuds qu'on peut retrouver dans le bois. Donc là j'ai pas rechargé ma plume pour avoir quelque chose d'un petit peu plus fin, pour avoir un trait un petit peu plus fin, et je ne cherche pas du tout à faire quelque chose de régulier, à faire des ronds réguliers encore une fois, puisque les nœuds du bois c'est pas forcément hyper rond. Donc voilà, je me prends pas la tête, au contraire je fais des ronds pas très très ronds et donc je fais ça plusieurs fois sur mon ongle à des endroits différents. Je vais ensuite utiliser plusieurs couleurs de peinture acrylique, plutôt dans des tons marron, et je vais commencer par remplir un petit peu mon hibou. Donc je commence par de la peinture acrylique dorée et je vais donc remplir l'intérieur du bec de mon hibou. Ensuite, je vais prendre une deuxième couleur, un marron très clair quand même. Et je vais remplir avec cette couleur l'intérieur des yeux de mon hibou. Et enfin, je vais prendre un marron, mais beaucoup plus foncé cette fois-ci. Et je vais en ajouter en haut et éventuellement un petit peu en dessous de mon hibou aussi. Et toujours avec ce même marron, je vais bien bien le diluer cette fois-ci pour qu'il soit quand même très transparent, assez transparent. Et je vais donc venir en ajouter sur mon motif abstrait, sur mon motif bois. Donc comme vous le voyez, je le dépose au niveau de la courbe que j'avais fait tout à l'heure. Donc je dépose un petit peu de couleur. Puis avant que ça sèche, avant que tout ça sèche, je vais venir étirer la couleur, essayer de la dégrader un petit peu. En fait, c'est la même technique que celle qu'on utilise pour l'aquarelle. On dépose sa couleur, puis on essuie un petit peu son pinceau et on dégrade tout ça, on étire tout ça. On peut rajouter de la couleur par endroit, par une deuxième couche de couleur en fait si on trouve que c'est pas assez foncé. Et comme vous le voyez, je fais ça sur toutes les courbes, que j'avais faites, mais que d'un côté à chaque fois, que sur le bas en fait de la courbe. Et ensuite, vous pouvez vous arrêter là ou ajouter une deuxième couleur un petit peu plus foncée. Donc moi là j'ai ajouté un petit peu de noir, donc toujours sur le même principe en essayant de dégrader légèrement la couleur. Mais cette fois-ci je la dégrade beaucoup moins, je descends beaucoup moins la couleur pour pas qu'en fait le noir recouvre le marron. Je veux que le marron reste quand même bien présent, donc vraiment j'ajoute juste une toute petite touche de noir. Et ensuite on va repasser une dernière fois sur notre hibou. Moi je vais repasser par-dessus les yeux que j'avais fait tout à l'heure parce que je veux un trait un petit peu plus gros, un petit peu plus large que tout à l'heure. Donc je repasse sur les yeux, sur les contours des yeux, et je vais ajouter ensuite au centre de chaque œil un petit rond, un rond classique, et ensuite je vais ajouter, comme vous le voyez, des petits traits à l'intérieur de l'œil, encore une fois, qui partent du rond que je viens de faire. Et ça va faire des yeux vraiment très présents, mais justement je trouve ça très rigolo, et je repasse éventuellement sur le bec aussi. Et encore une dernière fois, je repasse sur le motif bois et je vais ajouter, comme vous le voyez, quelques petits traits, mais je ne les ajoute pas tout le long de la courbe. Je choisis deux ou trois endroits où je vais ajouter juste quelques petits traits par touche. Et ensuite, pour ce nail art là, j'ai choisi de poser du top coat mat parce que je trouvais le rendu plus sympa sur l'effet bois.
Voilà donc pour ce petit nail art assez particulier. Moi, j'ai bien aimé son côté original. Je ne sais pas si ça vous aura plu. Et vous pouvez donc vous abonner à ma chaîne, me suivre sur mon blog ou les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image si vous avez envie d'en voir plus.